Bonsoir tout le monde. Bienvenue pour cette célébration de Noël un petit peu particulière. Pandémie oblige, cette année elle sera différente que d'habitude. Dans l'histoire de cette célébration de Noël, au mois d'août, qu'on a vu que l'épidémie durait, puis qu'on commençait à annuler tous les trucs, je me suis dit, oh non, pas la célébration de Noël. Puis j'ai prié, réfléchi. Je me suis dit, tiens, on va faire une célébration qui ne peut pas être annulable, c'est-à-dire une célébration vidéo. Alors, bienvenue dans cette célébration de Noël. J'espère que vous êtes bien assis dans vos canapés, bien au chaud, avec la cheminée qui crépite dans le poêle suédois ou dans la cheminée, avec une tasse de chocolat chaud fumant. Puis, si vous n'avez pas de cheminée, que vous êtes sous une bonne couverture IKEA bien confortable. Puis je salue également les 50 courageux qui sont assis dans la salle sur des chaises moins confortables que les canapés. Voilà. Vous êtes à la maison, vous vous dites, j'aurais voulu m'inscrire mais il n'y a plus de billets. Les billets sont partis en moins d'une heure. Un jour, on espère avec un stade pouvoir faire ça. Donc. Mais... sachez un truc, cette célébration, je vais vous dire un petit secret, vous qui êtes à la maison. Cette célébration, il ne faut pas le dire aux gens qui sont dans la salle, vous serez au premier plan, vous allez mieux l'apprécier, mieux la voir que les gens qui sont dans la salle, au niveau de la qualité de l'image. Donc pas de regret, vous êtes à la maison. Bon, les gens dans la salle pourront aller voir le replay après, parce qu'ils ne vont peut-être pas tout voir. Voilà. J'entends certains qui se disent, mais pourquoi je suis venu? Je me retends de rester à la maison, là. Ils ne nous avaient pas dit ça, ça. Voilà. Moi, je vous propose qu'on va commencer par un premier chant de Noël. Alors, vous allez me dire, mais Cédric, le chant de Noël, c'est verboten, hein? Alors, vous qui êtes à la maison, ça ne va rien changer. Je vous invite à chanter à tue-tête avec Mélanie Traxel, qui va nous interpréter « Les anges dans nos campagnes ». Et vous, dans la salle, vous n'osez pas chanter. Et, pour information... ouais, moi je sais, je suis désolé. Pour information, ce soir, personne ne va chanter dans la salle. Car nous avons pris nos devants et nous avons enregistré tous les chants. En avance. Alors, la technique, vous pouvez envoyer le premier magnéto, vous pouvez envoyer la Mélanie.
Voilà, quel magnifique chant, hein? Quelle promesse. Maintenant, on va projeter le film. C'est un court métrage. Vous voyez, ça prend du temps. Quand on s'est lancé, on n'a pas vu que c'était compliqué, c'est pour ça qu'on l'a fait. Qu'on s'est lancé, puis qu'on a fait ça, quoi. Et puis on va vous présenter le risque. Alors je vous demande votre indulgence parce que vous savez, le 8 mars, moi la vidéo, ça se résumait à ce que mon smartphone peut faire. J'avais aucune idée des encodages, des trucs, c'est hyper compliqué. Puis une fois qu'on a tourné le film, j'ai encore appris que les caméras, il y avait des vitesses de shutter bien précises pour les flots de mouvement. Mais je ne vais pas vous embêter avec ça. Oui, c'est compliqué. Alors, mesdames et messieurs, en avant-première mondiale, par une production Gospel Center Jura, pour une fois, c'est Jura, élevez vos doigts, c'est Jura. On vous présente le film de Noël de cette année. Allez, go! Il fait froid aujourd'hui. Ah, quand j'étais jeune, il y avait de la neige et il faisait encore plus froid. L'hiver était encore plus belle car il y avait de la neige. C'était bien mieux avant. Je me demande pourquoi j'ai fait ce sapin de Noël. Quand j'étais jeune, j'avais du plaisir à faire ce sapin. Mais maintenant, il faudra le ranger dans quelques jours. C'était bien mieux avant. Quand j'étais jeune, il n'y avait pas de cadeaux sous le sapin. On n'avait pas de sous. Mais on était heureux. Maintenant, c'est un casse-tête pour trouver un cadeau qui plaît. Mais de toute façon, les enfants râlent toujours. Sont jamais contents. C'était bien mieux avant. Quand j'étais jeune, on n'avait pas autant à manger. Mais quand j'étais jeune, on était heureux et on était ensemble. Mais maintenant, on fait des repas gigantesques. On cherche à faire des menus chers et originaux. On finit tous pour avoir mal au ventre. C'était bien mieux avant. Quand j'étais jeune, Noël était magnifique. Mais franchement, maintenant, je n'ai plus de plaisir à cette fête. Je ne comprends pas plus de sens. En plus, il y a plein de gens qui sont seuls à la maison. C'était bien mieux avant. Bien entraînante, mais je comprends pas l'anglais. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un chant de Noël
Il dit qu'on vous souhaite un joyeux Noël et une belle année. Un joyeux Noël? Vous appelez ça un joyeux Noël? Vous êtes dans le froid, dans un lieu bizarre. Et moi, à l'époque, quand j'étais jeune, on allait à l'église, on chantait tous ensemble. Et après, on buvait du vin chaud ou du thé pour les enfants. Pff, c'était bien mieux avant. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Bonjour monsieur. Bonjour, bonjour. Qu'est-ce que vous vendez? Ah ben, vous voyez, je vends un peu de tout. Et qu'est-ce qui vous ferait plaisir? J'ai, pour votre femme, là, j'ai des belles montres, j'ai des bijoux. J'ai aussi des abonnements pour des applications, là, peut-être pour vos enfants. Ou des jeux vidéo, j'ai un peu de tout. Mais, est-ce que vous avez un livre avec une belle histoire de Noël? Une histoire de Noël? Ah non, mais ça c'est... Non, j'ai des romans, les derniers romans à succès, j'ai des romans policiers, des bandes dessinées, mais les histoires de Noël, non, ça se vend pas. Non. Mais vous ne savez pas ce que signifie Noël? Noël? Si, ça signifie du cash, ça signifie que je vais faire beaucoup de fric, ça va exploser mon chiffre d'affaires. Alors c'est tout, c'est les sous. Mais vous ne savez pas ce que ça signifie vraiment, Noël. Ah si, pour moi c'est très très important. C'est vraiment la meilleure période de l'année, c'est là que je fais tout mon cash. Ah. Mais si vous voulez rien, vous pouvez y aller, hein. Je vous retiens pas. Quand j'étais jeune, c'était bien mieux. On apprenait les vrais sens. L'amitié et le respect. Oui, c'est ça, alors au revoir, hein. Bonjour monsieur, mais qui êtes-vous et que faites-vous là? Bonjour monsieur, je m'appelle David et je m'apprête à fêter Noël avec ma famille et ensuite aller à l'église. Mais venez, prenez place. Ah, vous fêtez Noël? Mais comment vous faites pour fêter Noël? Ah, vous savez pas? Bah écoutez, on décore, on met toujours un sapin de Noël. Dessous, on met des cadeaux. Et puis ensuite, après, on se retrouve en famille pour manger ensemble. Et ensuite, on se déplace et on va à l'église pour passer de nouveau aussi un moment ensemble et chanter. Mais vous savez, Noël, c'est plus que ça. Noël, en fait, c'est se souvenir de la naissance du Christ. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous connaissez Jésus? On m'a raconté son histoire quand je faisais des leçons de catéchisme quand j'étais petit, mais je ne me souviens plus très bien. Alors laissez-moi un petit moment pour vous raconter son histoire. Vous savez, nous trouvons son histoire
dans un livre qui s'appelle la Bible. Et nous trouvons cette histoire dans la parole de Dieu. Il y a les évangiles. Et puis, on trouve son histoire dans les quatre évangiles qui existent. Et là, j'aimerais prendre l'évangile de Luc pour vous le raconter. La Bible nous raconte qu'il y avait un homme qui s'appelait Ésaïe. Et 700 ans avant la venue et la naissance de Christ, il a prophétisé en fait sa naissance. Il a prophétisé en fait que le Christ viendra délivrer son peuple. Et ce qui est magnifique, c'est que cette parole, elle s'est réalisée. 700 ans après cette parole prophétique du prophète Ésaïe, eh bien, Jésus est né. Et j'aimerais vous raconter un petit peu comment Jésus est né, comment il est venu ici-bas dans ce monde. Un jour, il y avait une femme qui faisait ses actions quotidiennes et un ange vient à elle, lui apparut. Et cet ange s'appelle Gabriel. Il parle avec cette jeune fille qui s'appelle Marie. Et puis Marie, elle n'était pas mariée. Elle était fiancée avec un homme qui s'appelait Joseph. C'est un homme bon, un homme bien. Elle était vraiment amoureuse de lui. Ils avaient même le projet plus tard de se marier. Et puis cet ange commence de discuter avec Marie et lui dit qu'elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu et qu'il va lui faire une grande faveur. Marie, un petit peu perturbée par cette salutation, elle prend peur. Mais l'ange lui dit, n'aie pas peur, Marie, parce qu'elle a trouvé la faveur de Dieu et que Dieu est avec elle. Et qu'elle va devenir enceinte et elle mettra au monde un enfant qu'elle devra appeler Jésus. Mais suite à ces paroles, Marie dit à l'ange, mais je ne connais pas d'homme. Et c'est là que l'ange lui dit, mais la puissance de Dieu viendra sur toi et tu l'appelleras Jésus. Et il viendra pour délivrer le peuple. Après cet événement, Marie quitta sa région et elle va rencontrer une parente à elle qui s'appelait Élisabeth. Et Élisabeth était mariée avec Zacharie. C'était des gens âgés. Ils ont toujours rêvé, ils ont toujours aspiré à avoir des enfants. Mais ils n'arrivaient pas à avoir des enfants. Et un jour que Zacharie officiait dans le temple, où il est allé dans le lieu très saint pour répandre le sang de l'agneau sur l'arche de l'Alliance, et bien là, il a eu une vision d'un ange qui lui a dit à Zacharie qu'il va devenir papa, que sa femme allait devenir enceinte. Et Zacharie, il était un peu perturbé par cette parole parce qu'il s'est dit, mais ma femme, elle est âgée, elle est vieille. Mais l'ange lui a dit que cette parole, elle est sûre, elle est vraie et qu'elle va se réaliser. Et c'est là que Marie part pour aller rencontrer sa parente, Élisabeth. Et l'ange dit à Marie qu'en fait, Élisabeth, elle est déjà enceinte. Et quand Marie va rencontrer Élisabeth, Élisabeth est déjà enceinte de 6 mois. Elle reste un moment avec elle et plus tard, Marie revient chez elle. Et au moment où elle arrive de nouveau de retour dans sa maison, vers sa famille, eh bien, elle rencontre Joseph. Et là, Joseph, un peu perturbé par les circonstances, parce que, avec le temps, vu que Marie, par la puissance de Dieu, elle est tombée enceinte, Joseph, en voyant ça, fut bouleversé. Mais bouleversé de tristesse. Il n'a pas compris ce qu'il s'est passé. Et c'est là, dans son cœur, parce que Marie, il l'aimait. Il s'est dit dans son cœur, je vais rompre les fiançailles, mais je vais les rompre en secret, parce que je n'ai pas envie qu'on fasse du mal à Marie. Et Joseph, sur le point de rompre les fiançailles, eh bien l'ange qui a apparu à Marie, eh bien cet ange apparaît aussi à Joseph. Et cet ange lui explique comme quoi Marie, elle ne l'a pas trompé. Elle porte le Messie, elle porte le Christ, elle porte le libérateur d'Israël et le libérateur de l'humanité. Et suite à cette déclaration de l'ange, eh bien, Joseph, heureux, soulagé, il prend Marie pour femme. Et puis, le temps passe, Marie, toujours enceinte, et elle arrive au neuvième mois,
de sa grossesse. Et puis en même temps qu'elle arrivait à terme, eh bien, il devait faire un recensement. Et puis ils devaient partir dans leur ville d'origine, là d'où ils venaient, pour pouvoir s'inscrire. Alors bref, ils prennent leur âne, et les deux, Marie sur l'âne, et ils marchent pour aller jusqu'à Bethléem, parce que c'était la ville de leur origine. Et puis imagine bien Marie enceinte de 9 mois, assise sur l'âne, en train de marcher. Et puis vu qu'il y a tout le monde qui devait faire ce recensement, eh bien, tous les hôtels, les auberges, tout était pris. Et puis, ils arrivent à Bethléem, tout est pris, les hôtels, et puis Marie, elle dit à Joseph, « Je vais accoucher. » Alors Joseph se presse à frapper aux portes des auberges, des hôtels. Bref, tout est fini, tout est fermé, plus de place. Et c'est là que Joseph trouve quand même un lieu pour Marie, pour qu'elle puisse mettre au monde son enfant dans une étable. Et c'est là que Marie accoucha. Elle l'enveloppa, cet enfant qu'elle a porté, de l'ange, et le coucha dans la mangeoire des animaux. À ce moment-là, les bergers qui étaient dans les campagnes, parce qu'ils dormaient dehors pour surveiller leurs brebis, un ange leur apparut. Et là aussi, de nouveau, les bergers, suite à cette visitation de l'ange, furent un peu effrayés, parce que c'est glorieux de voir un ange. Et l'ange dit au berger, « N'ayez pas peur, je vous annonce une bonne nouvelle. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur. C'est le Christ, le Seigneur. » Et après ces paroles, une multitude d'anges a accompagné cet ange et chantait, « Gloire à Dieu dans les lieux, dans les cieux très hauts, et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment. » À la suite de ces événements, les bergers se leva en hâte, est parti à Bethléem pour trouver en fait cet enfant, ce libérateur. Et il trouva Joseph, Marie et l'enfant couchés sur une mangeoire. Ils leur racontèrent ce qu'ils avaient vécu avec l'ange et tout ce que l'ange leur avait dit. Et le texte nous dit que Marie a gardé toutes ces paroles dans son cœur. Jésus grandissait, il se développait. Il était un enfant et il est devenu un homme. Et pendant toute son enfance, la Bible nous dit qu'en fait, il était rempli de sagesse et la faveur de Dieu était sur lui. Une fois adulte, Jésus se leva et puis, pour faire court, parce qu'on veut bientôt aller à l'église, hein, je ne vais pas faire trop long. Il se leva parce qu'il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Il a été tenté dans le désert pendant 40 jours. Et puis une fois qu'il a résisté à la tentation, eh bien il sort de cet endroit du désert et il retourne dans sa région. Et puis il rentre dans la synagogue. Et j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il est dit que Jésus, comme d'habitude, allait à la synagogue. Ça veut dire qu'il allait à chaque semaine au sabbat. C'était le samedi, il allait à la synagogue. Et on lui donne le livre du prophète Ésaïe, ce prophète qui a prophétisé sa naissance, ce prophète qui a vu le Christ comme sauveur. Et il lit ce prophète Ésaïe, et j'aimerais le lire avec toi. Voilà, il tombe sur ce passage où il est dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a choisi pour son service afin d'apporter la bonne nouvelle aux pauvres. » Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et aux aveugles, le retour à la vue, pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. Et ce qui est intéressant, c'est que par rapport à ce passage, Jésus va dire après, eh bien, la parole est accomplie. Et il commence de manifester la puissance de Dieu. En disant à la personne, tes péchés sont pardonnés. En disant à la personne, ta foi t'a guéri. Et même sur ses actes, Jésus après a parcouru tout Jérusalem, tout Israël. Et puis, il a choisi 12 disciples qui l'ont vu à l'action. 12 disciples qui ont vécu avec lui pendant 3 ans. Et eux aussi attestent dans le livre des actes qui dit, comment Dieu a choisi Jésus de Nazareth pour son service
et lui a accordé la puissance de l'Esprit Saint. Vous savez aussi comment Jésus a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et c'est vraiment, j'ai envie de dire, cette parole de l'ange qui dit une bonne nouvelle. C'est quand même pas une bonne nouvelle de pouvoir savoir que nos péchés sont pardonnés, de pouvoir savoir que, à cause de cette foi dans le Christ, il a le pouvoir et la puissance de pouvoir nous guérir. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Lui qui était juste, qui a commis aucun crime, aucune faute, le monde l'a considéré comme un meurtrier, comme un voleur, comme un menteur. Alors, un jour, la foule a crié « Crucifiez-le ! Crucifiez-le !» Pourtant, lui, il n'avait commis aucune faute. Alors, les soldats romains l'ont pris, l'ont fouetté. Et puis, ils ont érigé une poutre en forme de croix, et on a commencé de le clouer. On lui a pris des clous, on lui a transpercé les mains, transpercé les pieds, et on l'a cloué sur la croix. Et là, ses disciples et la foule qui voyaient ce spectacle étaient considérés, perturbés dans leur cœur. On a même pensé que Dieu l'avait abandonné. C'est ça qui me fait rire, quand je repense à cette histoire. Le monde a pensé que Dieu avait abandonné le Christ. Au contraire, il ne l'avait pas abandonné. C'est une manifestation de son amour entre le Père et le Fils et l'Esprit Saint et pour le monde entier. Parce que la parole de Dieu nous dit que Christ à la croix, lui qui était juste, lui qui a su aimer son prochain comme lui-même, lui qui a su aimer Dieu de tout son cœur, lui qui ne méritait pas d'aller à la croix, de mourir. Eh bien, dans cette intimité qu'il avait avec le Père, avec Dieu, et l'amour qu'il portait pour le monde, pour toi et pour moi, il a choisi de subir la condamnation à notre place. Et c'est ça, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Christ, à la croix, a porté nos fautes, a porté aussi toutes nos injustices. Parce que des injustices, on en a tous beaucoup vécu. Eh bien, Christ a porté ça à la croix. Et c'est là, en fait, cette bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que Christ n'est pas resté mort. C'est que 3 jours après, il a été ressuscité. La parole de Dieu nous dit que Dieu a manifesté sa grande puissance. Et il l'a ressuscité d'entre les morts. Tu sais pourquoi ? Il a pu être ressuscité ? Non. Parce que quand la mort pensait le tenir, Jésus lui a dit, « Moi, j'étais juste. J'ai commis aucune faute. Tu n'as pas de puissance sur moi. » Et quand la mort a réalisé ça, elle a dû le lâcher. Et Christ est ressuscité. Et en étant ressuscité, il dit, « Si tu crois en moi, si tu crois que je suis mort à la croix pour toi, si tu mets ta foi en moi, si tu m'ouvres ton cœur, eh bien, je te donnerai la vie éternelle. » Et c'est ça, Noël, le cadeau sous le sapin. Le monsieur là qui veut faire son business. Eh bien, Dieu, il a aussi fait son business, mais d'une manière différente. Il est allé acheter le cadeau pour l'humanité. Et vous savez combien son cadeau lui a coûté cher ? Parce que le monsieur là, du business, on parle d'argent. Mais maintenant, pour racheter ta vie, l'or et l'argent du monde entier ne suffiraient pas. Parce que ta vie, elle vaut bien plus cher que tout l'or et l'argent du monde. Pour pouvoir racheter ta vie, racheter ma vie et racheter la vie de toute l'humanité, Dieu devait donner le prix de sa vie. Ça veut dire qu'aux yeux de Dieu, Monsieur Jean, vous valez Dieu. Vous valez la valeur de Dieu.
Vu que Christ est Dieu, il a dû mourir à la croix pour pouvoir vous racheter. Vous savez, Noël, ce n'est pas juste un conte. C'est une histoire vraie. Et celui qui croit et qui met sa foi en lui, eh bien, il ne doit pas attendre que la poste ou DHL amène le cadeau. Puis des fois, il y a du retard, 3-4 jours. Le cadeau de la vie, au moment où la personne décide de croire, de s'humilier devant Dieu, ben, l'instant même, la vie pénètre son cœur. Et ce que je trouve intéressant, c'est que la parole de Dieu nous dit qu'aujourd'hui, si la bonne nouvelle vous est annoncée, n'endurcis pas ton cœur, mais ouvre-le, crois. Parce que demain, on ne sait pas qu'est-ce qu'il sera. Mais aujourd'hui, toi qui entends la bonne nouvelle, eh bien, ouvre ton cœur et crois. Parce que Noël, ce n'est pas juste un conte, hein. C'est une histoire vraie. Et tu sais, tu peux chercher, tu peux étudier, tu peux lire tous les bouquins que tu veux. Tu ne trouveras jamais une histoire comme celle que je viens de te raconter. Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre, il n'y a que lui qui est descendu sur terre pour venir rencontrer l'humanité. Tu peux chercher partout où tu veux. Tu ne trouveras nulle part une histoire comme celle que je te raconte. Et mon histoire, je le sais, c'est la vérité. Tu sais pourquoi ? Parce qu'un jour, j'ai donné ma vie à Jésus. Elle vit en moi. Et je sais que c'est vrai. Je ne te mens pas. Et je sais dans ce que je vis. Si tu ouvres ton cœur, eh bien, tu recevras la vie. Est-ce que tu veux croire en lui ? J'étais jeune, j'aimais Noël, mais voilà. Ouais, j'ai envie de croire en quelque sorte. Quand j'étais jeune, franchement, je croyais pas. J'aimais l'ambiance et tout, mais on m'a jamais vraiment expliqué comme ça. Et merci, mais vraiment, merci infiniment. Je sais que maintenant, Jésus est le Fils de Dieu et il est venu sur terre pour me sauver et nous sauver. Merci, merci infiniment. Il m'aime et je veux l'aimer aussi, en fait. Et amen. Maintenant, Noël m'apparaît tout différemment. C'est pas les cadeaux, les sous, les bons repas. C'est encore mieux. Je veux donner ma vie à Jésus-Christ. Amen. Allons à l'église ensemble alors.
Voilà, merci beaucoup. Désolé pour la qualité son, il y a une carte son qui est en train de rendre l'âme, évidemment. Dans le replay, je remettrai une version avec les bandes son d'origine avec une meilleure qualité. C'est toujours comme ça, quoi. Voilà, cette célébration arrive bientôt à sa fin. Je voudrais remercier particulièrement Corinne Ganbin qui a écrit le scénario. François Lecomte, le marchand, le vil marchand. Christina Reyes, qui a mis en place la chorale du lampadaire, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et puis le Voici Noël. Léa Moscaritoli, qui a chanté dans Voici Noël. Ma très chère maman, Evelyne Traxel, qui chante dans la chorale du Lampadaire. En fait, elle ne savait pas dans quoi elle s'embarquait quand je l'ai recrutée. Mélanie Traxel, ma petite sœur, pour le chant Les anges dans les campagnes. Notre David Schmid dans le rôle du pasteur. Alors, pour caster le pasteur, ça a été le plus dur. Non, il n'y a rien de mieux qu'un pasteur pour jouer le rôle d'un pasteur. Merci pour ce message. Ma très chère tendre et moitié, Marie-France Traxel, décor, qui a chanté dans la chorale du Lampadaire, puis surtout qui m'a supporté pendant ces longues heures de montage. En fait, j'en ai pas l'air, mais je suis très nerveux quand je suis sur un ordinateur. Donc voilà. Après, évidemment, ma magnifique équipe technique, j'ai une équipe en or. J'ai des gens en or. J'ai des gens qui ont dit j'étais là, qui sont partis dans cette aventure, la vidéo, des trucs qu'ils n'avaient jamais fait. Mais vraiment, c'est des gens en or, très précieux, et c'est devenu des amis avec cette pandémie. Donc, je vais les citer. Évidemment, la fabuleuse tribu Jolidon. Avec Meryl, qui est un de nos opérateurs vidéo, dans le rôle de Monsieur Jean. Vladimir, c'est un homme en or. Je vous explique pourquoi. Vladimir, il est très discret. Mais tout d'un coup, ah, mais c'est qui a fait ça? Ah, mais c'est qui a installé ce truc? C'est Vladimir. Vladimir Jolidon. Son épouse, Ivana, qui est mon bras droit dans la technique. Alors, je peux vous dire qu'au niveau d'organisation, c'est génial. Elle m'organise tout. Parce que moi, j'ai plutôt tendance à... Ah oui, on pourrait faire ça, on pourrait faire ci. Il y a plein d'idées, de techniques, de trucs comme ça. Il faut toujours quelqu'un qui mette à plat et puis qui... Eh bien, c'est elle. Dans le cadre du film, c'était une cadreuse. Vladimir, il était dans le montage et décor. Après, je vais remercier mon ingénieur du son préféré, oui, ils sont tous préférés, Louis Bellido.
C'est un gars génial, d'une gentillesse, toujours une solution. Il m'a fait le son, je ne suis pas occupé. Et c'était le deuxième cadreur dans le cadre du montage en extérieur. Bien sûr, il y a aussi celui qui, avec tous les projets les plus fous sont possibles, je le dénomme Mike Anzer. Mike m'a illuminé un candélabre qui marche aux 220 volts au milieu d'une forêt à Kourou. Pour lui, tout est faisable. Aussi, au montage du décor, il a chanté dans la chorale du lampadaire. Et bien sûr, je crois que j'ai oublié personne. Parce que je ne voudrais pas commettre un impair. Ouais, je veux aussi remercier Daniel André d'ADS avec son studio en chambre verte où ont été tournées les scènes du marchand et puis du salon en entrée. Dans une petite chambre verte, c'était une sacrée expérience. Et bien sûr, je voudrais remercier quelqu'un. Sans lui, ce n'aurait pas été possible. Vous savez qui ? Oui, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a donné le beau temps pour les tournages, qui a fait que toujours, qui nous a fait tomber sur... Nous ne savions rien faire. Et grâce à lui, on a réussi l'impossible. Donc on peut applaudir notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, là il va être temps de prendre congé de nos amis les internautes. Les gens qui sont dans la salle, je vous demanderai de rester assis, je reprendrai la parole après pour organiser la sortie, le reste quoi. Alors, générique, hein ? J'ai oublié un truc ? Ah. Générique de fin.